vous regardez RTL. Monsieur Manœuvre, vous le connaissez, Monsieur Manœuvre ? Bah, évidemment, il y a une semaine pile, mon journal, donc l'équipe, l'équipe magazine, a fait 4 pages sur Philippe Manœuvre, parce que Philippe Manœuvre, en 88, a organisé de manière hallucinante une rencontre extraordinaire entre Michael Jackson, qui était au sommet, et Jean-Pierre Rive. Racontez ça, c'était un truc de fou, non ? Vous avez organisé ça, on ne sait pas comment. Et grâce à cette rencontre, le Parc des Princes a pu être rempli à ras-bord. Mais ouais, c'était Jackson. Rock'n'roll, c'est oh là là, non, arrêtez, mon grand, arrêtez. C'est vrai, non, mais c'est un truc de fou, non ? Ouais, c'est fou. Il y avait Michael Jackson. Ouais, c'est incroyable. Parce que Michael était tombé amoureux de, je crois, de un petit peu le dessus, le par-dessus de la femme de Jean-Pierre Rive. C'est vrai ce qu'il raconte. Moi qui ai lu votre livre, je sais que ce qu'il raconte est vrai. Oui, oui. Là, vous pouvez pas dire le contraire. Non, Philippe. C'est vrai, oui, oui. Moi, je veux faire toutes les émissions avec Yann Rio. J'adore parce que Philippe est modeste, parce que franchement, vous pourriez. Non, 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 on peut dire beaucoup de choses de Philippe. Non, mais Michael. Pourquoi vous êtes timide? Vous avez rencontré les plus grandes stars et là, vous êtes muet devant moi. Et là, je suis devant Yann Rio. Vous vous rendez compte? Attendez. Bah, tout ça pour ça. Moi, ce que j'aime chez Yoann Riou, c'est qu'il a des dossiers sur tout le monde. Alors, et sur Caroline Diamant, alors. Non, alors, on se connaît un petit peu moins parce que je mets. Bah, évidemment. Alors, lui, je comprends pas un truc. Vous étiez une superstar dans l'industrie de la musique, vous étiez directrice générale, vous avez fait 2-3 compagnies. Et pourquoi un jour vous avez dit j'arrête tout et je me lance dans la télé, cet univers cruel et tellement volatile. Parce qu'elle s'est fait virer. Ça s'appelle le chômage. Pourquoi cette déchéance? Et vous êtes sorti avec 2 chanteurs célèbres. Non mais coucher ça veut pas dire sortir. J'ai été en couple pendant 30 ou 35 ans de ma vie. C'est génial. Donc j'ai pas pu Mais est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un des grosses têtes? Vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de la bande? Non. D'accord, bah ça va commencer alors.